Bonjour, c'est Enzo sur Globule Radio. Je suis en compagnie de Hugo, un animateur radio. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler du spectacle Les âmes nocturnes. C'est un spectacle de magie, de théâtre d'objets et de nouveaux cirques. Un spectacle tout public à partir de 6 ans. Je laisse la parole à Hugo pour rentrer dans les détails. Bonjour, bienvenue sur Globule Radio, la radio des petits asticots. Pour la 15e édition du festival Les Petits Asticots, retrouvez le célèbre spectacle Les âmes nocturnes présenté par la compagnie Le Schlemiel. Un superbe duo clownesque avec une fantaisie incomparable où vous pourrez y découvrir des arts du mime, cirque, magie et théâtre d'objets. C'est le poète grec Sophron qui a inventé le mot mime au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc le mime ne date pas d'aujourd'hui. Mais on peut se rappeler que c'est un art qui, à une époque sinistre où la police n'autorisait que les spectacles burlesques, au début du 19e siècle, le mime est donc redevenu populaire. Pour ceux qui ne voient pas ce que veut dire le mot nouveau cirque, je vais vous donner quelques explications. Le nouveau cirque sans animaux est une formidable synthèse de plusieurs champs artistiques dépassant le cirque traditionnel avec animaux. Il se nourrit de théâtre, de la danse et de la musique. Au fait, c'est quoi le théâtre d'objets ? Un théâtre d'objets est un type de théâtre d'effigie où les objets ne sont plus accessoires du théâtre servant aux comédiens, mais effigies. Ils peuvent être manipulés directement comme une marionnette. Ce sont en général des objets à l'état brut, utilisés comme personnages, exemple un tube de dentifrice, un crayon, un coton-tige. Ce spectacle se déroulera le samedi 17 octobre à 17h. Chamonix, salle Le Majestic, tarif 5 € pour une durée de 1h10, tout public à partir de 6 ans.